Relâche, relâche, où l'on voit ta gloire, relâche tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes anges, relâche, où l'on voit ta gloire.
Thank you.
Seigneur, tu es au contrôle, Seigneur. Tu es au contrôle dans nos vies, Seigneur. Dans nos circonstances et dans nos événements, Seigneur. Il n'y a rien qui échappe à ton contrôle, Seigneur. Il n'y a rien qui échappe à ton contrôle, Seigneur. Tout est sous contrôle, Seigneur. Tout est sous ton contrôle, Seigneur, mon Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir la paix, Seigneur. Nous pouvons avoir la joie, Seigneur. Même si la tempête, Seigneur, vient s'abattre dans nos mains. Tu es au contrôle, Seigneur. Même si l'orage gronde, Seigneur, et nous fait trembler, Seigneur. Tellement, Seigneur, les événements, les problèmes, Seigneur, et les difficultés viennent frapper, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous pouvons avoir même là le calme, Seigneur. Nous pouvons même avoir la paix, Seigneur, au milieu des difficultés, Seigneur. Parce que tu es au contrôle, Seigneur. Il n'y a rien qui échappe à ton contrôle, Seigneur. Tu veilles, Seigneur. Tu veilles sur ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, dans Jérémie 1:12, il est dit que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Chaque parole qui sort de ta bouche est vérité. Chaque parole qui sort de ta bouche est un puissant réconfort. Elle est une encre pour nos vies, Seigneur. Parce que nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur. Toi qui es le rocher de tous les temps, Seigneur. Sur toi, nous pouvons compter, Seigneur. Nous pouvons mettre notre confiance, Seigneur, en toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. De génération en génération, tu n'as jamais manqué à ta parole, Seigneur. Tu as toujours accompli tout ce que tu as dit, tout ce que tu as promis. C'est accompli mot pour mot et autant. Toi, tu avais résolu, Seigneur, dans ton cœur, Seigneur. Oui, Seigneur, rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. Rien. Il n'y a rien qui t'échappe, Seigneur. Même dans la maladie, Seigneur. Même, Seigneur, quand les docteurs nous disent, nous annoncent de mauvaises nouvelles, Seigneur, nous pouvons toujours compter sur toi, Seigneur, parce que tu es celui qui a le dernier mot. Le dernier mot. Oui, Seigneur, même là, tu es au contrôle, Seigneur. Seigneur, dans la maladie, Seigneur, tu dis un mot et la guérison arrive, Seigneur. Dans le désert, Seigneur, mon Dieu, là où nous traversons les choses, Seigneur, qui sont arides, Seigneur, qui sont rudes, Seigneur. Seigneur, tu ouvres un chemin dans le désert. Tu dis un mot et tu ouvres un chemin là où il n'y avait rien. Oui, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, à toi, rien n'est impossible, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur. D'agir en nous, Seigneur. D'agir au travers de nous, Seigneur. Et autour de nous, Seigneur. Seigneur, merci d'être au contrôle dans nos vies, Seigneur. Dans nos circonstances et dans nos événements, Seigneur. Même si parfois nous ne comprenons rien, Seigneur. Même là, Seigneur, tu gardes le contrôle, Seigneur. Et plus tard, un jour, nous nous retournerons, nous dirons, oui, Dieu était encore au contrôle, là. C'est lui qui a arrangé toutes les situations, qui a fait concourir toutes choses pour mon bien, parce qu'il veille sur ma vie. Il veille sur ta vie. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Garde la paix. Reçois la paix dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, reçois cette paix qui surpasse toute intelligence, parce que Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. Il nous demande simplement d'avoir confiance en lui. Et lui gère toutes choses. Et lui, il a le contrôle sur toutes choses, naturelles et surnaturelles. Il garde le contrôle. Tout est sous sa main puissante. C'est pourquoi nous dirons à nos âmes, quand elles sont troublées, mon âme, Dieu est au contrôle. Reçois la paix. Parce que Dieu est au contrôle.
Thank you.
Ton cœur. Le Seigneur ne veut pas que tu
la porte est tout seul, tu ne sauras pas. C'est tellement lourd. C'est lourd, c'est lourd. Dépose ça à ses pieds. Dépose à ses pieds. Et Seigneur, je dépose tout. Et en sortant de ce lieu, que tu sois léger. Léger, léger. Toutes ces œuvres du diable, ces attaques, tout ce qui vient pour te traumatiser. Toutes ces intimidations venant du travail, là où tu es, venant des médecins, venant partout, dépose ça sur pied. Toutes ces méchancetés, toutes ces paroles de mépris pour t'humilier, pour dépose ça sur pied. La Bible dit, il a été méprisé lui aussi. Abandonné de tous, méprisé, l'homme habitué à la souffrance. Lui, qu'on dédaignait les regards. Mais cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés, nos souffrances qu'il s'est chargé. Abandonne sur lui parce qu'il te comprend. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui est assis à la droite du Père, qui peut compatir parce que lui aussi a connu ça, il a traversé tous ses épreuves. Abandonne-toi en lui. Je m'abandonne à toi, Jésus. Vous savez, comme moi, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est un jour spécial. Un jour de fête. Oui, oui, c'est un jour de fête. Et Dieu aime les fêtes. Dieu aime la célébration. Notre Dieu aime les fêtes. Pourquoi vous voyez en Israël, il y a beaucoup de fêtes. Ils ont entrepris cette fête. Il y a la fête des tabernacles. Il y a la fête de la moisson. Et il y en a beaucoup. On peut tous numérer. La Bible dit, les derniers jours de la fête, Jésus
fait une déclaration puissante. Une déclaration qui nous reste dans Jean chapitre 7. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est un jour de fête que Jésus a fait cette déclaration. C'est un jour de fête. Alléluia. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, de la nouvelle alliance, on n'a pas besoin d'attendre, d'avoir un calendrier, d'avoir une période quelconque dans l'année où il y a une fête pour se préparer. Mais tous les jours, chaque jour pour nous, c'est un jour de fête. Alléluia. Amen. Chaque jour, soit une journée de célébration, de fête. Alléluia. Parce que l'esprit qui habite en toi, c'est l'esprit de fête, c'est l'esprit de joie. Ce n'est pas un esprit de deuil, c'est un esprit de réjouissance. C'est un esprit de Dieu. Alléluia. Et nous devons fêter tous les jours. Tous les jours, la victoire de notre Seigneur. On a plus, il y a des raisons de fête. La défaite du diable sur la croix, la victoire de Jésus, hein, et beaucoup de choses pour... Voilà. Alléluia. Amen. Voilà Pentecôte. Comme vous le savez, c'est l'Église célèbre la descente du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit. C'est une commémoration de le jour que l'Esprit de Dieu est descendu sur... Souvent, nous disons sur les apôtres, mais ils n'étaient pas que les apôtres, ils étaient à 120 ces jours-là, à la chambre haute, sur les apôtres et quelques frères et sœurs. Alléluia. Et qui l'Esprit est descendu sur eux. La Bible dit tous furent remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Esprit est descendu sur eux tous. Sur eux tous. L'Esprit de Dieu. Voilà. C'est ça en fait. C'est ça, Pentecôte. Mais nous savons que c'était une fête déjà qui existait avant. Ça coïncidait. Et ce n'est pas un hasard que Dieu a permis, a voulu que ça soit, ça tombe juste au même moment où l'Israël est fête, leur fête des moissons. Leur Pentecôte, leur fête des moissons. Hein? Les Pentecôtes, ça signifie simplement, dans le mot Pentecôte, il y a 50, le chiffre 50, qui signifie le chiffre 50, c'est parce que Pentecôte vient après la résurrection, après la Pâque, hein? 50e jour après la Pâque. On commence à compter pour les Juifs jusqu'à 50e jour après la Pâque, c'est qu'en fait Pentecôte. Dans le 50e jour, c'est que, vous voyez, le mot Pentecôte 50, qui signifie, pour les Juifs, 50, qui signifie jubilé. Qui signifie jubilé. Alléluia. C'est un jubilé, il fait des libérations. Jubilé. Et voilà. Voilà. Et que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Et ce qui me touche, c'est qu'en méditant la parole de Dieu, j'ai remarqué qu'il y a un homme de Dieu, d'une manière prophétique, il avait déjà, comment dirais-je, anticipé spirituellement à la Pentecôte. Parce que nous savons que Pentecôte a été prophétisée déjà dans la bouche de Joël. Le prophète Joël qui a prophétisé que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit. Si toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Pierre, le leader, il a parlé, il s'est servi de ce test-là, de Joël chapitre 2, pour voir l'accomplissement de ce qui a été dit dans la bouche de Joël. Mais avant Joël, je vois quelqu'un avait déjà vu ça. Moïse. Vous savez, un jour, Moïse, on vient lui dire, par Josué, on vient lui dire, Moïse, il y a, à part toi, tu as dit que c'est lui le prophète, mais il y a des gens là-bas qui prophétisent.
J'aime la réponse de Moïse à Josué. Il dit, non, pourquoi es-tu jaloux pour moi, à ma place? À d'autres, Moïse, Josué voulait dire, il faut l'interdire, parce qu'il n'y a que toi, sur toi que Dieu parle. Oui, oui, oui. Mais c'était exceptionnellement. Dans les cas d'Israël, il y avait le mouvement de l'esprit a agi, il a déjà prophétisé. Moïse a dit non, non, laissez. Il dit ce que je fais. C'est, il formule un souhait, un vœu. Il dit c'est ce que je fais, c'est que vous tous vous prophétisez. C'est mon désir. C'est mon vœu. C'est mon souhait. Que vous tous. C'est ça que je veux. Alléluia. Que vous tous vous prophétisez. Que vous annoncez les oracles de Dieu. Non. Ne sois pas jaloux pour moi. Laisse-les. Si Dieu a voulu, c'est ça. Il a vu dans le spirituel ce qui est aujourd'hui et nous sommes en train d'expérimenter. L'Esprit de Dieu qui habite, qui est répandu. Alléluia. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, ils peuvent prophétiser. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne prophétise pas. Dieu parle et son peuple prophétise. Celui qui a l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'il peut capter la pensée de Dieu et il prophétise sur ça. Il peut saisir la pensée de Dieu. Par rapport à telle situation, par rapport à tel domaine, par rapport à telle personne, et tu prophétises. Moïse a dit, c'était son souhait. Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu veux? Moïse avait un souhait que tout le monde prophétise. Il n'était pas égoïste. Aujourd'hui, quand les gens ont l'onction, ils sont égoïstes. Il fait que les dons qu'il a, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est moi qui guéris. C'est que pour que tout le monde vienne à lui. Mais pas Moïse. Moïse a dit non, 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 non. C'est ce que je veux que vous tous vous prophétisez. Vous tous ici, Josué, que vous prophétisez. Alléluia. Voilà. Voilà quelqu'un qui a un esprit libre. Il le fait. C'est ce que je veux. Quel est ton vœu? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton souhait? Alléluia. Je veux que des vies soient transformées. Je veux que tout le monde soit guéri. Je veux voir. Alléluia. Que tout mon quartier soit converti. Voilà le souhait. Alléluia. Je prierai jusqu'à ce que je vois toute ma famille convertie, sauvée. Je veux que vous tous vous parlez en langue comme moi. Vous tous vous prêchez comme moi. Vous tous vous guérissez des malades comme moi. Ce n'est pas simplement exclusif, ce n'est pas pour quelqu'un. Non, Moïse dit, je veux que tout le monde prophétise. Voilà l'esprit Pentecôte. Alléluia. Non, 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 je veux que vous tous vous implantez des églises. Vous tous que vous soyez des pasteurs. Vous tous, vous soyez des prophètes et des prophétesses. Alléluia. Il faut formuler des vœux. Oh Seigneur, comme Moïse, je le fais. C'est mon désir. Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je dis à Seigneur, je veux voir ta puissance. Je veux voir des malades guéris. Je veux voir des aveugles voir. Je veux voir les morts ressuscités. Je veux voir. Alléluia. Des pécheurs se convertissent, des voleurs se chantent. Je veux voir la puissance de Dieu dans mon travail. Je veux voir dans mon village, dans mon quartier, dans ma région. Alléluia. Je veux voir la jeunesse se transformer, ces jeunes gens qui tu vois dans la rue, qui se donnent dans la drogue, dans la délinquance. Tu dis non Seigneur, je veux voir tous ces jeunes. Sois zélé pour le Seigneur. Qu'il soit ivre, non de hashish, non du drogue, non de l'alcool, mais ivre de l'Esprit de Dieu. Ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu aies des vœux. Ce n'est pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est important d'exprimer cela.
quand on viendra te dire, ma sœur, là-bas aussi, il y a quelqu'un qui prie pour les malades qui sont guéris comme toi. Tu ne seras pas jaloux. Tu vas dire, non, qui les a donné l'ordre? Non, tu dis, non, c'est ce que je voulais. C'est que Dieu a accompli. Là où il y a Moïse, le jour de la Pentecôte, je crois que là, Moïse était, il dit, waouh, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Que vous tous vous prophétisez. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Parce que tous ont reçu l'Esprit. Tous ont commencé à prophétiser. Tous ont commencé à parler à langue. Des merveilles de Dieu. Le parler à langue qu'ils ont reçu, ce n'est pas le parler à langue qu'on a, la langue spirituelle. Ils ont parlé à langue, la langue légitime, la langue normale, la langue que les autres attendaient. Ils parlaient des langues. Alléluia. Ils parlaient à langue. C'est-à-dire, tu es italien comme tu es là, tu connais que l'italien, tu parles, mais tu commences à parler ma langue à moi. Tu commences à parler lingala. Tu n'as jamais mis tes pieds au Congo. Tu n'as jamais mis tes pieds en Afrique. On voit Joséphine qui parle lingala. Et il bénit Dieu à lingala. Oh, colo la commission. Moi, je dis, mais toi, tu es déjà allé au Congo. Non, je ne sais pas. Mais je me suis avec ta langue. Alléluia. C'est Dieu fait des choses extraordinaires. Il est grand. Alléluia. Il est Dieu, il demeure. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Il fait des choses imaginables. Non. Il ne faut pas imiter notre Dieu. Il fait des choses extra. Au-delà. Alléluia. Il fait des choses au-delà. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait ce jour? Les gens parlent la langue. Non, ce n'est pas les parler la langue où on parle nous-mêmes pour notre édification, des fois où peut-être tu parles et tu ne comprends pas toi-même ce que tu dis, mais tu parles quand même parce que c'est l'âme de l'esprit. Mais il parlait des langues. Et je dis, mais les langues que les autres attendaient. Oh, j'aime ça. Ils attendaient. Parce que ces jours-là, il y avait beaucoup du monde. C'était un jour de fête. Beaucoup de nations sont venues. Des nations, des villes sont venues. Ils sont venues parce qu'il y avait marché. Ils sont venus tous là. Mais Dieu a attendu le moment qu'il commence à parler. Alléluia. Dieu a attendu ce jour-là pour manifester sa puissance. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il veut que tout le monde soit au courant. Il veut que tout le monde sache qu'il est à l'œuvre dans ta vie. C'est lui qui agit. Dieu veut que tout le monde sache. Quand il t'utilise, il agit dans la vie de quelqu'un. Il ne veut pas garder ça pour toi-même. Alléluia. Il veut que tout le monde soit au courant qu'il t'a visité. Qu'il est avec toi. Dieu veut que tout le monde, il fait sa propre publicité. Lui-même, il est le chef de marketing. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse la publicité pour lui. Dieu fait la publicité lui-même. Il sait le faire mieux que nous tous. Alléluia. Il fait la publicité de son œuvre. Il a attendu au bon moment où il y avait la foule ce jour-là. Et beaucoup de monde était là. Voyez compte, Dieu le visite. Il parlait tout sa langue, pas la langue des esprits. Nous parlons la langue des langues, pas la langue. Mais il parlait tout sa langue. Et en fait, les gens entendaient. Et mais c'est ma langue. Non, c'est ma langue. Mais tu n'as jamais. Voilà. Tout le monde, ils ont. Et il disait des merveilles de Dieu. Dans leur langue. Il disait les merveilles de Dieu. Il parlait de. Ils étaient 120. C'est-à-dire que 120 là, chacun parlait une langue étrangère. Dans les 120. Ils étaient tous les Juifs, les Israélites. Mais quand ils ont commencé avec le Saint-Esprit, descendu sur eux, le feu est descendu, ils ont commencé à parler la langue, 120 langues ces jours-là. Parler sicilien, parler espagnol. Il parlait aramaïen, il parlait alléluia. Et les lingala peut-être étaient là, parce qu'on ne sait pas. C'est une façon que l'évangile aussi est ouvert aux nations. L'évangile est ouvert aux nations. Alléluia. Et l'évangile est ouvert aux nations. Et que les nations aussi, ils ont part dans les choses célestes. Parce que nous étions exclus, nous les nations, dans la grâce de Dieu. Et Dieu a voulu que tout le monde soit au courant. Oh, j'espère que. Je te dis une bonne nouvelle. Dieu fera que tout le monde sache que c'est lui qui t'a guéri. Amen.
Il voudrait que tout le monde sache. Tout le monde sache que c'est lui. C'est lui. Amen. Alléluia. Quand il agit quelque part, il va tout faire que les gens sachent. Lui-même, il organise. Que tout le monde sache. Vous voyez cette histoire avec cette femme de perte de sang qui a touché Jésus derrière son dos. Oh, j'aime ça aussi. J'aime ça. Si Dieu te cache la face, il te tourne le dos. Souvent les gens disent, mais non, j'ai prié, Dieu me tourne le dos, Dieu ne m'exauce pas, il y a un silence. Même quand il te tourne le dos, tu peux le toucher. Jésus marchait, cette femme a touché Jésus par derrière. Dieu l'a tourné le dos, mais il a quand même sorti, il a quand même réussi à tirer quelque chose. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, même quand Dieu te tourne le dos, mais si tu as la révélation, tu peux toucher son cœur. Tous ceux qui s'approchent de Dieu avec une révélation, ils touchent le cœur de Dieu. Et Jésus a dit, il y a une force qui est sortie de moi. J'ai senti une force. Au fait, ça veut dire tout simplement, cette force est sortie indépendamment de lui. Ce n'est pas libéré. Non. Ce n'est pas de moi délibéré, mais indépendamment. Souvent, il a tendance à dire qu'il a libéré la force. Mais là, quelqu'un a sorti. La force est sortie de lui, indépendamment. Même quand il n'a pas besoin d'agir, même si tu approches de lui avec la révélation, Dieu va agir. C'est la révélation. Cette femme l'a touché. Et ce que j'aime, Jésus a dit, qui m'a touché? Waouh! Qui m'a touché? C'est une question essentielle. Selon les hommes, Pierre avait raison. Selon les hommes, de répondre à Jésus, mais quelle question tu nous poses? C'est insincère. Parce que tu es entouré de la foule. On te touche à gauche, à droite. Nous-mêmes, on est là, on est bousculé par les gens. De quelle façon? La Bible dit les choses spirituelles, c'est la folie. Les choses de l'esprit. Amen. Qui m'a touché? Jésus pose la question. Et j'aime cette femme. Cette femme était courageuse. Il a quand même. Il ne s'est pas caché. Il dit non, c'est moi. C'est moi qui l'a touché. Waouh! Là, Pierre a compris. Non, quelque chose s'est passé. Parce que tout le monde te touche. Tout le monde pouvait dire non, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Mais non, cette femme a dit moi, j'ai reçu quelque chose. Quand tu as reçu quelque chose de Dieu, tu sens que tu as reçu quelque chose. Quelque chose vient de se passer. Spirituellement. Alléluia. Spirituellement, tu sens dans ton esprit, dans ton être, tu sais que quelque chose vient de se passer spirituellement. Tu viens de recevoir ou bien d'être connecté, touché par Dieu. Et cette femme, pourquoi la raison? C'est parce que Jésus voulait que tout le monde sache que je viens de guérir quelqu'un. Parce que sinon, cette femme allait partir. Et sinon, même jusqu'au jour où on n'entendra pas partir de l'histoire. Sinon, cette femme elle est guérie. Mais personne ne sera au courant que non, un miracle vient de se passer tout à l'heure. Jésus a voulu que tout le monde sache que non, il y a un miracle qui vient de se faire. Amen. Il y a un miracle qui vient de s'accomplir. Cette femme qui a dit c'est moi, Jésus a ajouté quelque chose. Et je crois que les apôtres ont commencé à dire mais qu'est-ce qui se passe? Et la femme a commencé à relater son histoire. Et c'est ce que nous a écrit. Il veut que tout le monde sache. Non, je viens de guérir quelqu'un. Quelqu'un vient de recevoir un miracle tout à l'heure. Ce que Dieu fait dans ta vie, il ne veut pas que ça reste caché. Il ne veut pas que ça reste entre toi et lui, mais il veut que tout le monde sache. C'est pourquoi l'importance des témoignages. C'est pourquoi Dieu dit en témoignage. Amen. Qu'on sache quelque chose. Il faut témoigner ce qui s'est passé. Témoigne sur ta conversion. Témoigne sur le miracle que tu as expérimenté avec Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part a besoin de savoir que jusqu'aujourd'hui, Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu change de vie. Il a besoin de. Ah bon? Oui, Jésus m'a guéri. Ah bon?
Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est que dans la Bible qu'on écrit, ce sont des histoires. Mais non. Amen. Provoque des moments de témoignage. Que tout le monde sache. Au courant. Non. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a voulu que ce soit le jour de la Pentecôte pour que la puissance de Dieu descende à cette terre, la 15h, c'est 3h. Parce que quand l'Esprit descendit, c'était ivre. Quelqu'un a dit c'était à 15h, à 3h, vous êtes ivre comme ça. Pierre a dit non. Parce qu'à 3h, une personne est ivre à cette heure-ci. C'est le soir, ou bien le matin, mais pas à midi. Il a voulu à cette heure-là, où il y avait tout le monde, pour que tout le monde sache que quelque chose vient d'arriver. Alléluia. Quelque chose de grand, de puissant. Il y a l'action de Dieu quelque part. Là où il y a l'action de Dieu, Dieu voudrait que tout le monde soit au courant, qu'il sache qu'il est à l'œuvre. Amen. Lui-même, il fait la publicité, il attire les gens. C'est pourquoi ce qui est important, frères et sœurs, oui, nous continuons à évangéliser, mais cherchons la puissance de Dieu. Cherchons la puissance de Dieu, la main de Dieu. Quand la main de Dieu va commencer à se manifester, la puissance de Dieu, tu vas voir comment Dieu lui-même va commencer à attirer les gens. Il va commencer à envoyer. Il va faire la publicité de son œuvre. Alléluia. Il va dire, là j'ai agi. Et va là-bas. Il va envoyer des malades. Il va envoyer des problèmes, des gens qui ont des... Parce qu'ils savent que non, vous aurez la solution parce que je suis à l'œuvre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. C'est ça l'esprit de la Pentecôte. Que Dieu, quand il agit, il associe ces jours-là à un événement planétaire. Et que partout ces jours-là, ils ont su que quelque chose vient de passer à Jérusalem. C'était quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux, quelque chose. C'est Dieu qui a attiré, vous rendez compte? La Bible dit tout à coup, il y a des bruits. Les gens ont senti boum! Des bruits. Tout d'un coup, c'est comme une bombe qui est tombée. Boum! Tu as entendu le bruit là-bas? Non, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais quand les gens arrivent en courant, ils ont cru qu'il y avait quoi, je ne sais pas. Tout d'un coup, il y avait un bruit, dit la Bible. Il dit comme un vent impétueux. C'est vraiment un bruit. 120 personnes ne peuvent pas bouger. Et toute une ville. Alléluia. Non, mais Dieu, quand il agit, les échos, il y a des échos qui va aller partout. Alléluia. L'écho de ta guérison, l'écho des miracles de Dieu dans ta vie, l'écho de ce que Dieu va commencer à faire avec toi, il agit. Il y aura des échos, et les gens vont entendre. Mais c'est là-bas, il y a quelque chose qui se passe dans cette maison-là, quelque chose qui se passe dans cette famille, quelque chose qui se passe dans la vie de cet enfant, même l'école, partout, il y aura des médias, ils viendront, l'écho. Amen. Dieu est des ondes, il utilise les ondes, des pouvoirs, ça c'est le média de Dieu. Ouh. Tout à coup, un bruit. C'est comme tu es dans ta chambre, mais tu attends en bas au salon, quelque chose tombe, boum! Tu dormais, tu te réveilles, tu descends vite pour aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est un frigo qui. Le frigo vient de tomber. Boum! Oui, la télé. Ça te réveille. Alléluia! Ça te pousse à descendre. Tu cries, mais ça ne te limite pas. Tu faut que tu descends, tu vois qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne peux pas rester indifférent de l'action de Dieu quand il agit quelque part. Tu ne peux pas rester indifférent. Tu vas aller pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu ne vas pas rester indifférent. Alléluia. Là où il y a le mouvement de l'Esprit de Dieu, là où il y a l'action de Dieu, tu ne peux pas rester indifférent. Tu ne peux pas rester, tu verras, là on a la puissance de Dieu, l'action de Saint-Esprit qui agit. Non, tu vas descendre, tu vas aller en bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Oh rien, maman, ce n'est pas grave. Ah, tu es sursauté de tomber. Dieu va faire ces choses-là. Alléluia. Ce que Dieu fera dans ta vie, les gens ne resteront pas indifférents. Alléluia. Ce que Dieu va faire avec toi, les gens ne resteront pas indifférents parce que Dieu va les secouer. Et que ça sera comme une bombe. Ton témoignage, ton ministère, tes choses qui vont venir
Personne ne restait. Même celui qui ne veut pas attendre, il veut. Dieu va faire qu'il soit au courant que Dieu, quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est au point d'arriver. Quelque chose se passe au bon samaritain. Alléluia. Il y a des gens, les échos. Amen. Amen. Cherche Dieu. Cherche sa puissance. Quand il va agir, ça sera comme tout à coup. Soudainement. Soudainement. On ne s'y attendait pas. Amen. C'est ça. On ne s'y attendait pas. La chose est arrivée. Soudainement. Un mouvement pareil, un bruit pareil. Ils ont cru si aujourd'hui on va croire qu'il y a un terroriste qui a frappé là-bas. Il y a une débandade. Mais non, c'est Dieu qui agit. Il attire la foule. Alléluia. Là où il y a l'action de Dieu, la foule viendra. Alléluia. Là où Dieu agit, la foule va venir. Lui-même, il s'arrange. La foule viendra. Et de toutes les nations. C'est un Dieu multicolore qui veut toucher tout le monde. Il n'a pas de race. C'est un Dieu multicolore. C'est pourquoi, prophétiquement, l'habit que Joseph portait, ce manteau-là, multicolore, c'était prophétique. Voyez le manteau que son père l'a offert, Joseph a offert à Joseph un bon manteau comme ça, à multicolore. Il y avait toutes sortes de couleurs, il y avait mauve, rose, vert, citron, je ne sais pas moi, tout ce que... C'était l'image de l'Église, de voir que Dieu, c'est toutes les nations. Une nation, comme on dit aujourd'hui, une nation arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs qui se retrouvent. C'était prophétique. Amen. Amen. Nation. C'est Christ, c'est l'image de Christ. Il est multicolore. Il a racheté les hommes de toute nation, de toute race. C'est ça l'image de Christ. Il y a des jaunes, des noirs, des blancs, des rouges, je ne sais pas toutes ces races-là qui existent. Il a voulu que tout le monde soit là. Un Dieu multicolore. Tout le monde, toutes les nations, amen. Voyez l'œuvre, l'action de Dieu, c'est comme ça. Toutes les nations, les échos, est en train de percer des frontières, des océans, de continents. Quand Dieu agit quelque part, tout à coup, c'est soudainement, vous êtes surpris. Vous recevez des coups de fil qui viennent de, je ne sais pas, de Martigny. Tu n'as jamais mis tes pieds là-bas. Mais quelqu'un de là-bas t'appelle. Parce qu'il y a des échos des lèvres de Dieu. Amen. 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 Oh my God. Ça, c'est l'action de Dieu. Amen. C'est que c'est Dieu qui agit. Il attire la foule. Lui-même attire. Il rend les gens curieux de venir voir ce qui se passe. Les gens d'abord viennent par curiosité. Vous voyez, beaucoup de gens viennent à l'église par curiosité. Pour voir comment ça se passe. Allons. Et quand ils vont venir, l'Esprit de Dieu les attend au rendez-vous. Beaucoup d'entre nous, ils sont venus à l'église par curiosité. Pour aller voir, j'ai entendu parler. Quelqu'un, il vient par curiosité. Mais dès qu'il est là, l'Esprit de Dieu l'entendait. C'était un rendez-vous pour le toucher. Amen. Amen. À la fin de Dieu, tu dis, voilà, c'était bon. J'ai aimé la prédication. Et il revient encore notre dimanche.
C'est-à-dire qu'ils viennent. Les gens sont venus par curiosité. Parce qu'il y avait un bruit. Et ce bruit-là les a attirés. Dieu a mis toutes ces choses. Il y avait un bruit terrible. Ils sont venus par curiosité pour voir qu'est-ce qui se passe. Et l'Esprit de Dieu les attendait au rendez-vous. Premièrement, ils sont surpris, étonnés. Alléluia. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés parce que les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans leur pays, dans leur village, ils parlent leur langue. Ils disent que ce sont des Juifs, ce sont des Israélites. Mais comment se fait-il qu'ils parlent de ma langue et en plus, ils parlent de la langue maternelle? Alléluia. Il y a des gens qui disent qu'ils parlent de ma langue maternelle. Vous savez, si je parle le sicilien, tu vas dire peut-être que le pasteur a appris ça quelque part. Mais si je parle de ta langue maternelle, qu'on parle dans ton village. Alléluia. Ça t'étonne encore. Dieu a fait qu'il parle ma langue maternelle de merveille de Dieu. Et il vient d'abord par curiosité. Quand ils arrivent, ils seront étonnés de voir la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, de voir la grâce de Dieu qui est en comment Dieu est en train de faire des choses. Waouh! Pendant que tu chantes, il dit waouh, comment tu peux chanter comme ça? Quelle voix! Pendant que tu joues au piano, il dit mais tu joues très bien. Ils sont étonnés. Ceux qui te connaissaient avant, ils sont étonnés de te voir. Ils viennent de par curiosité. Ils sont étonnés de voir l'œuvre de Dieu. Waouh! Waouh! C'est magnifique. Ils sont venus beaucoup, ils sont étonnés. Et de voir des gens parler à leur langue, des merveilles de Dieu. Et à un moment donné, le Saint-Esprit. Parce que la conversion ne se fait pas par les émotions. Amen. Ce n'est pas les émotions qui vont amener quelqu'un à la conversion. Ce n'est pas même le miracle qui va amener quelqu'un à la conversion. C'est la prédication de l'évangile, c'est la parole de Dieu. La prédication de la foi, de la repentance qui amène quelqu'un à la conversion. Et Paul, Pierre a saisi l'occasion maintenant de parler à cet homme. Parce qu'il y avait un autre groupe, ils étaient là pour se moquer. Parce que, voilà, quand les gens viennent, toutes sortes de personnes viennent. Il y a des curieux, il y a des ceux qui viennent, ils sont tous curieux. Et d'autres, ils viennent pour critiquer, pour juger l'action de Dieu. Et parmi la foule, il y avait des autres qui étaient là. Parce que les autres voyaient les merveilles de Dieu. Ils contemplaient la grandeur. Ils sont en train d'exalter Dieu, de voir, de contempler la merveille de Dieu. Ils sont étonnés de voir les miracles. Ces hommes et des femmes, ils ne connaissent pas notre langue, mais ils parlent. Ils sont surpris. Ils sont émerveillés. Pendant ce temps, il y a d'autres groupes de sambalais. Ils sont toujours là. Non, ils sont ivres. Non, ils sont ivres. Quelqu'un parle là, le matin, il n'a pas jamais parlé. Je ne sais pas s'il y a une bière dans ce monde, quand tu le bois, j'ai même 40% d'alcool, il te rend ivre et ça te met à parler à d'autres langues. Si ça existe, dites-moi, je vais boire pour parler les Siciliens quand même. Tu me dis qu'il y a une bière. Il dit non, ils ont commencé à chercher à minimiser l'action de Dieu. Voilà. Il y a toujours un groupe de gens qui cherchera à minimiser, à bafouer les choses sacrées, à profaner, à minimiser, à mépriser les choses de Dieu. J'avais déjà rencontré des gens comme ça. Tu parles de quelqu'un de Dieu, tu fais des choses de Dieu, il y a des gens qui sont là, ils sont en train de minimiser. Le diable, il est toujours là. Il rôde. Pendant que les autres... Ils ont dit, waouh, c'est merveilleux. Quoi? Oh, Dieu agit, Dieu fait des grandes choses. Ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Les autres, ils sont là, non, ce n'est pas Dieu, ça. Ils sont en train de minimiser. De diminuer l'action de Dieu. De se moquer. Les gens cherchent à mettre Dieu dans une boîte.
Dieu, il est hors de système. Tu ne peux pas mettre Dieu quelque part. Tu ne peux pas mettre Dieu dans une cage. Pour lui que Dieu, je sais que Dieu agit comme ça. Dieu va te surprendre parce qu'il est multisystème. Alléluia. Amen. Multisystème. C'est sous les religieux. C'est ça les religieux qui comptent. C'est toujours les religieux. Je suis convaincu que c'était des pharisiens, des sambuciens, des religieux juifs qui étaient là avec des barbes, bien habillés avec les toges. Ils étaient là et disaient non, ils sont des voyous, ils sont des fous. Mais les gens disent que non, même s'ils sont des fous, mais ils parlent des merveilles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous souvenez-vous de cet enfant, de ce jeune homme qui était né aveugle. Alléluia. Qui était né aveugle, que Jésus a ouvert les yeux. Que diront les religieux? Ils ont voulu minimiser le miracle de ce jeune homme. Je me dis, non, c'est un péché. Je me dis, non, même si je ne sais pas moi pour vous. Moi, ce qui compte, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Moi, je vois. Non, c'est. Ils vont dire, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Mais non, j'étais avec vous depuis longtemps. Votre Dieu ne m'a jamais ouvert les yeux, mais lui, il m'a ouvert les yeux. C'est que je crois à son Dieu. Et Dieu n'exauce pas les péchés. Ce qui compte, c'est que je vis, j'expérimente quelque chose. Alléluia. J'ai la paix dans mon cœur. Pendant qu'il fait, moi j'ai la paix. C'est Dieu. Frère, là où il y a l'action de Dieu, il y aura toujours des religieux, des moqueurs, tout autour. Les gens qui vont essayer de minimiser, de mépriser, de vous donner même des délais. Ça n'ira pas loin. Dieu n'est pas avec eux. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Et Dieu, non. Que tu reçois l'onction, l'Esprit de Dieu t'utilise, tu ris, l'onction de rire, tu commences à rire. Non, ça ce n'est pas Dieu, ça c'est un démon. Tu commences à danser devant tout le monde, Seigneur, ça peut te saisir. Alléluia. C'est pas facile. Ça ce n'est pas Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Voilà comment aujourd'hui même les religieux, ils combattent l'action. Amen. Amen. Les gens vont combattre. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que les gens vont. Ils pensent qu'ils ont méprisé Dieu. Ils ont mis Dieu dans une boîte. Ils disent Dieu agit comme ça. Mais Dieu, c'est un multisystème. Alléluia. C'est un multisystème. Il a guéri un général syrien. Aman, je pense. Pour Aman, il lui a dit Aman, va se jeter dans le fleuve, le Jourdain. Amen. Cette fois. Même Aman lui-même a dit non, ça c'est bizarre. Quel Dieu peut faire des choses comme ça? Mais quand il s'est jeté, Dieu a agi. Cet homme qui était avec tout à l'heure, on a parlé. Jésus a pris sa salive, il a jeté ses salives, il prend une partie de la terre, il a mélangé avec sa salive, il a mis ça sur ses yeux, il a mis, il a guéri. C'est un Dieu multisystème. Il ne guérit pas tout le monde de la même façon. Il a plusieurs façons de visiter, de te guérir, d'exaucer quelqu'un. Je ne peux pas dire que ça, ce n'est pas Dieu. C'est un multisystème. Il faut que tu sois ouvert à l'esprit. Amen. Multisystème. Devant Lazare. Il n'a pas utilisé le bout, le salive du bout. Il a dit, c'est pas Lazare, sors. Il a utilisé la parole. Et toi, tu vas dire, non, chaque, il faut que la parole. Non, Dieu va te dire, utilise le petit système. Pour traverser la mer Rouge, il a dit à Moïse, étends ton bâton. Et pas. Moïse a parlé. La mer s'est ouverte avec le bâton qu'il avait. Mais devant le fleuve de Jourdain, il n'a pas dit, il a dit aux enfants d'Israël, ils étaient là. Dieu a dit, vous allez traverser le Jourdain. Ils ont dit, on attend que le Jourdain, le fleuve, se divise comme la mer Rouge. Comme la mer Rouge. Non, Dieu dit, non, c'est ce que je fais avec. Non, je change.
Maintenant, pas. Mais il dit, non, 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 Dieu a donné des instructions, marchez. Il y avait le messager Gallo, mais on va se noyer. Là-bas, tu as ouvert la mer, mais aussi, ouvre aussi la mer. Non, non, non. Cette fois-ci, marchez par la foi. Et il dit, pendant qu'il marchait, par la foi, l'eau s'ouvrait. L'eau. C'est séparé. Mais au fur et à mesure, il marchait, au fur et à mesure, l'eau s'est séparée. Et il voyait un chemin tout autour. C'est un Dieu de multisystèmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Sois ouvert à l'esprit, à l'action de la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Il fait des choses au-delà. Qui nous étonne. Il a dit à Moïse, jette ton bâton. Moïse a jeté son bâton, s'est transformé en serpent. Waouh. Serpent. Moi, je pensais que le bâton va se transformer en un agneau. Parce que c'est l'agneau, c'est Christ. Je pensais que le bâton va se transformer en un lion. Là, on nous a dit que ça, c'est Dieu, c'est le lion qui a tribu de Juda. Voilà. Mais serpent. Wow. Parce que l'image du serpent n'est pas bonne pour nous. Mais Dieu a fait que le bâton de Moïse se transforme en serpent. Amen. Il y a des choses que Dieu va faire. Tu vas croire que c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui agit. C'est pourquoi nous, dans ces temps de la fin, l'esprit que nous avons besoin, c'est que des esprits que nous avons besoin pour opérer, pour marcher avec Dieu aujourd'hui, frère, c'est l'esprit de la sagesse et c'est l'esprit de discernement. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut éprouver les esprits, les discernements, pour comprendre quel est l'esprit qui est derrière cette action. Amen. Il ne faut pas tout rejeter, parce qu'on ne t'a pas enseigné comme ça. Ce n'est pas la doctrine chrétienne. Il ne faut pas tout rejeter, parce qu'il y a des expériences aussi avec Dieu. Ça, c'est une expérience qu'ils ont vécue avec Dieu, qui a marqué leur vie. Une expérience de baptême du Saint-Esprit. Ils ont reçu le feu de Dieu. Pentecôte. Il dit, moi je n'ai jamais pris cette langue-là, mais ce jour-là, j'ai parlé à cette. Ah bon? Oui, j'ai parlé. Et c'est fini. Hein? Quand ils ont parlé, ce n'est plus demain encore, ils vont commencer à parler. Maintenant, quand demain ils se sont réveillés, ils vont voulu commencer à parler la même langue. Non, c'est parti. Ils parlent qui est hébreu, qui est grec, qui est araméen. Amen. Voyez l'expérience que Étienne a, non. Pas Étienne, l'autre là. Philippe, après avoir prêché à cet homme, il a disparu. Ça vient, c'est une expérience. Le problème qui ne fait pas de tes expériences une doctrine. Quelque chose qui se répète tout le temps. Amen. Une expérience, alléluia. C'est pourquoi ma sœur, mon frère, je vous exhorte à chercher à avoir des expériences avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Des expériences avec le Saint-Esprit, alléluia. Moi, j'ai une expérience avec le plus de quelques expériences avec le Saint-Esprit. Je me rappelle une expérience que j'ai avec le Saint-Esprit. Un jour, j'étais dans mon lit, je me suis vraiment, quelqu'un m'a pris comme ça, qui m'a pris, qui m'a fait sortir de mon lit et qui m'a mis à genoux. Que je n'ai pas cherché. Je me rends compte que quelqu'un, je me suis mis à genoux, pas par ma volonté. J'ai sorti du lit et je me mets à genoux. Je me suis en train de trouver de prier. De prier. D'adorer. De prier, de prier. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette expérience m'a bouleversé. Tu vois, comme on veut toujours voir les diables partout, que Dieu. C'est Dieu qui est partout omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Alléluia. C'est Dieu qui est partout. Satan n'est pas partout. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils voient que les démons partout. Qu'on vient de voir Dieu. Job a dit, c'est que dans mon problème, j'ai besoin de voir Dieu. Et je me suis dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi?
Est-ce qu'il y a ce démon qui va te réveiller dans ton sommeil, qui va te mettre à genoux et de prier? D'abord, le diable n'aime pas la prière. Ça va le détruire. J'ai dit, oh, Satan, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas normal. J'étais dormi. Et j'ai commencé à. Oh non, Jésus! Non! Et ce qui m'a fait du bien, c'est que demain, le frère qui dormait à côté de l'autre, à l'autre chambre, il vient me voir, j'affirmais, un ami. Il me dit, pendant que tu priais la nuit, de telle heure à telle heure, j'étais en train d'être délivré. Je voyais dans mon corps les choses quitter mon corps. Et je disais dans mon sommeil que frère ami, si continue à prier, ne t'arrête pas, parce que ta prière me faisait du bien. Il traversait mon corps et les choses étaient en train de quitter dans mon corps. Waouh! J'ai dit, ah, c'était le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Une autre fois, j'étais à Bruxelles, toujours, je suis dans un bus. J'étais là, on est arrivé au terminus, tout le monde descendait. Et moi, je suis resté. Pendant que j'étais dans l'adoration, j'étais dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Oh, ces temps-là, j'étais vraiment. Je venais de découvrir l'intimité du Saint-Esprit. J'ai lu les livres de Benny Hinn à l'époque, vers 95. Bonjour, Saint-Esprit. Et moi-même, je me suis commencé à donner maintenant au Saint-Esprit. L'intimité était terrible. Et on est arrivé même au terminus, tout le monde est descendu. Moi, je suis resté pendant que je parlais avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est vrai. J'étais là, j'étais en train de prier. Quelqu'un est entré dans le bus. Il est entré. Et j'ai vu le chauffeur. Il est venu me toucher en pleurant. Il me dit de lui donner ce que j'ai. Donne-moi, parce que pendant que tu étais derrière là, monsieur, je ne sais pas. Je suis en train de pleurer. Le bus tech. Non, pas tech. Le bus c'est laine. Laine. Je sais que j'allais quelque part à Bruxelles, j'allais quelque part dans une ville de Flamand, à Metz. Et j'étais à Bruxelles, à la gare du Nord, terminus de gare du Nord. L'Esprit de Dieu est vrai. Il faut chercher des expériences avec Dieu. Alléluia! Des témoignages. Pierre a marché sur les eaux. Malgré que nous savons qu'après il s'est noyé, mais il a marché quand même. Et je crois de tout cœur, la vie de Pierre après cette expérience n'était pas la même. Alléluia. Pendant que les autres disciples étaient sur la barque, dans la barque, et Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et quand Jésus a dit, viens, et il a marché par la foi. Vous vous rendez compte? Amen. Pierre a marché. Il a fait quelques pas. Quelques pas. Après, il est revenu, il revient en lui-même. Il dit, est-ce que c'est moi? Oui, c'est moi, Pierre. Oui, c'est le diable. Il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a commencé à descendre. Et Jésus l'a pris. Et la Bible ne dit pas que Jésus l'a transporté. Elle ne dit pas quand Jésus l'a tiré des eaux. Et Jésus l'a dit, maintenant monte et je vais te porter. Elle ne dit pas que Jésus l'a porté. Il a dit, marche maintenant avec moi à côté de moi. Parce qu'ils ont marché quelque part pour retourner à la. Et vous pensez que la vie d'un tel homme restera la même? Par rapport à Matthieu, par rapport à Jean, par rapport à Bethany, par rapport au Thomas, par rapport aux autres disciples? Non! Lui, il a expérimenté quelque chose que les autres n'ont pas vécu. Malgré que j'ai échoué à la fin, mais j'ai marché quand même. J'ai marché. Amen. Il disait à Thomas, bien, mais j'ai marché. Moi, j'ai marché sur les eaux. Moi, j'ai marché comme Jésus. Cherchez à avoir des expériences avec Dieu. Des choses qui vont marquer ta vie. Dieu, c'est un Dieu de révélation. C'est un Dieu de l'expérience.
Amen. Il est dans sa parole. Nous croyons à la doctrine chrétienne, mais il y a aussi des expériences avec Dieu. Voilà. Il y avait des religieux qui étaient là, qui se moquaient, qui méprisaient l'action du Saint-Esprit. Les réveils spirituels. Frère, partout il y a des réveils de l'esprit. La religion va combattre ça. Les religieux, ils vont combattre l'action de Dieu, les réveils. Parce que quand les réveils arrivent, ça vient bizarrement. Nous avons tous des réveils. Nous pouvons prier. C'est une nécessité. Mais quand ça arrive, alléluia. C'est pourquoi quand nous prions pour les réveils, il faut qu'on soit en accord. Par rapport au réveil, par rapport aux effets du réveil. Parce que ça, les réveils arrivent, c'est bizarre. Ce sont des choses inattendues. Des manifestations bizarres. Des gestes bizarres. Où tu te poses la question, ça c'est Dieu ou pas Dieu? Amen. Alléluia. Je vais donner la parole, les textes d'aujourd'hui. Actes des apôtres. Chapitre 10. J'ai lu la parole. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à ce jour en Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui est lié, c'est ce que j'ai partagé avec vous. La multitude a couru et il fut confondu, voilà, parce que chacun les attendait parler à sa propre langue. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Je veux que tu parles à Dieu. Tu dis, Seigneur, moi aussi j'ai besoin d'une visitation de l'Esprit. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de l'expérience avec toi. Je veux avoir une expérience avec toi. Je veux te connaître et t'expérimenter dans ma vie. Je veux toi, Seigneur. On m'a parlé, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, comme disait Job, maintenant je te vis. Oui, Seigneur, on m'a parlé de toi, mais je veux te vivre. Je veux te voir en action, ta puissance dans ma vie. Je veux une Pentecôte aujourd'hui encore, Seigneur, car c'est possible. L'esprit de la Pentecôte est là. Oui, Seigneur, je ne veux plus. Je veux être ouvert à l'esprit. Je n'ai pas peur de l'expérience avec cet esprit. Parce que je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Père, nous te rendons gloire pour ta puissance qui agit encore dans nos vies. Seigneur, merci. Je prie pour chacun de nous ici présents. Père, afin que tu visites encore nos vies. Nous voulons avoir des expériences avec toi et l'expérimenter ta puissance. Fais des choses encore qui vont étonner les gens, des choses qui vont attirer la foule comme nous avons partagé tout à l'heure. Bénis ton peuple et que ta grâce surabonde, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu es béni, tu acclames le Seigneur.